Aïe, 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 aïe. Si vous saviez, je viens de passer 2 heures à faire des tests. Et ça marche pas. Bon, s'il y a des gens parmi nous... Oui, on est samedi, excuse-moi, je t'ai même pas dit bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ben oui, parce que nous, ça fait un moment qu'on est bonjour. Ça fait plaisir de te retrouver. Tiens, je vais dire un petit coucou à Julien de Normandie, qui m'a donné le prénom de son cacatoès. Elle s'appelle Peanuts. Alors en parlant de ça, j'ai vu que vous vous donnez des conseils entre vous, c'est sympa. Donc si jamais je trouve qu'il y a des conseils qui peuvent être un petit peu améliorés, ben, j'hésiterai pas, si vous permettez. On a quelqu'un qui a dit à Julien, pour lui apprendre à monter sur le doigt, prendre ce qu'elle aime le mieux, donc une gâterie. Puis tu verras, ça fonctionne. Alors moi personnellement, je trouve que les gâteries c'est dangereux. Hein. Même si j'en donne, hein, tous les matins, ce que je donne à Jackson. C'est une gâterie, ok? Donc oui, je lui en donne, pas dit de pas le faire, mais c'est dans le cadre de manger ensemble, on s'entend? Hop, la petite boîte de Kleenex est là. Donc, normalement, pour la faire venir sur le doigt, ben c'est un bisou qu'il va falloir lui faire derrière, il va falloir lui donner de l'affection. Utilisez plus l'amour et l'affection que vous avez pour votre oiseau et l'amour et l'affection que vous voulez qu'il vous rende pour lui faire faire des exercices. Jackson, elle n'a jamais fonctionné aux gâteries pour faire quoi que ce soit. C'est si tu veux venir avec moi, si tu veux te rapprocher de ton maître, si tu veux qu'on fasse des câlins tous les deux, fais ça dans ta cage. Mets-toi comme fais le Peking Duck. Je pense que je vous ai déjà montré sur votre vidéo. Bref, elle a un exercice à faire, pas pour avoir une gâterie, pour pouvoir venir avec vous. C'est vous la gâterie de votre perroquet. On en parlera. On en parlera beaucoup la semaine prochaine. Bah, c'est surtout par rapport à Galaxy Nails. Ça, c'est son nom. Hein. Son nom d'abonné, Galaxy Nails. Bonjour, Galaxy, bienvenue parmi nous. Oui, tu vas pouvoir en savoir un peu plus sur la puberté et la sexualité chez le perroquet. Dès lundi, je fais un spécial, on va faire un spécial puberté lundi. Et mardi, on enchaînera sur un spécial sexualité. On va essayer de faire des cafés un peu plus courts. Parce que ça prend beaucoup de temps pour le rendu, etc. Et on va les mettre en 720p plutôt que 1080 comme les 2 derniers que nous avons fait. Parce que beaucoup de gens m'ont écrit en me disant qu'ils ne peuvent pas les lire, où ça coupe, ça lag, selon où est-ce qu'on se trouve. Hein. Si on est à Tahiti, on n'a pas la même connexion qu'à Strasbourg, qu'en Belgique, nanana. Donc on va essayer de couper la porte en deux. On va essayer de le faire avec du 720p. Et si je vois qu'il y a encore des difficultés, ben on reviendra à la version normale. De toute façon, c'est le fait d'être ensemble. On est bien d'accord? Alors pourquoi je suis un peu fâché? Parce que j'ai un concept que je voudrais vous offrir et je vais vous demander ce que vous en pensez. Juste que je vois si ça peut fonctionner comme concept déjà avec vous, parce que je vais avoir besoin de vous. Effectivement, tous les jours, vous venez prendre le café chez moi, ici. Et moi, ce que j'avais envie, là, c'est de vous demander de m'envoyer sur mon adresse courriel, vous m'envoyez une photo de votre maison. Ça peut être une photo à l'intérieur, mais on peut très bien prendre le café à l'extérieur, juste histoire pendant cet été de voyager. D'aller prendre un café avec Julien, par exemple, de Normandie, de pouvoir aller en Corse avec Gérald, de pouvoir aller même au Québec, de pouvoir aller à Tahiti avec Dan, par exemple, où on peut aller avec Patrick Lupan, on peut aller en Nouvelle-Zélande. Imaginez le tour du monde qu'on pourrait faire. Et en fait, à chaque fois, ce que je voulais faire, c'était incruster une image derrière. Et là, je vais parler à des gens qui connaissent un petit peu le montage vidéo. Parce que, oui, j'ai un écran vert, hein, vous l'avez vu, hein, quand je présente mes infos ou des choses comme ça, j'utilise un écran vert. J'ai un écran bleu, mais le problème, c'est quand vous faites une incrustation d'image, on vous le dit, devant un écran vert, ne prenez pas de vert. Qu'est-ce qu'elle a ici, Jackson? Du vert. Quand on est devant un écran bleu, prenez pas de bleu. Jackson, elle est bleue. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous connaissez, ceux qui connaissent l'incrustation d'image, eh bien, on voit à travers. On voit à travers Jackson, elle devient un fantôme. Mais j'ai trouvé ça super sympa.
de pouvoir prendre des cafés chez vous pendant l'été, puis voyager comme ça et faire voyager tous mes abonnés. Donc c'était ça le concept. Alors, c'est sûr qu'on aura une autre possibilité, hein. Si vous m'envoyez une belle photo, hein, toujours en 16/9, c'est sûr que je pourrais la mettre dans un coin comme ça ici, là. Ça sera à peu près là dans l'image, là. Hop, toute cette partie-là. Voilà, on mettra l'image, mais je trouve ça moins rigolo que de pouvoir faire une incrustation d'image. Donc voilà, s'il y a des gens qui touchent un peu en vidéo, qui peuvent me donner un coup de main, ça me fera super plaisir. Donc c'est samedi, un petit café un peu plus rapide que les autres, parce qu'effectivement, on a plein de choses à faire le samedi aussi. Et voilà, je vous parlerai des comportements instinctifs par rapport aux stimuli que peut avoir votre perroquet selon son âge, selon s'il est à la puberté ou s'il commence déjà à rentrer dans sa maturité sexuelle. Puis arrêtez d'écouter les légendes urbaines. Non, un perroquet ne devient pas forcément agressif. Ne pensez pas toujours voir dans les livres ce que... Ne croyez pas toujours à ce qu'on raconte dans les livres. Votre histoire avec votre perroquet, c'est vous qui la faites. C'est vous qui allez écrire cette histoire-là, selon votre comportement. Ne commencez pas à vous laisser aller à écouter ce que d'autres ont vécu, parce que peut-être que ces autres personnes n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, ou tout simplement ne s'y attendez pas. Quand on prend un bébé perroquet, là, on se dit « Ah là là, il est merveilleux, il est beau, oh là là !» Mais on ne pense pas qu'à la puberté, il va chercher sa dépendance, un comportement qui va être quelquefois très très difficile à supporter, des cris, des choses comme ça. Mais c'est à vous de le gérer. Je vous explique tout ça lundi et mardi. On parlera donc de la puberté et de la sexualité. Voilà, je vous fais un très très gros bisou. Je t'embrasse bien fort. Où que tu sois dans le monde, Jackson, toi t'es fâché hein, quand je parle avec eux, hein, hein? Oui, hein. Toi, tu voudrais être qu'avec papa. Ben oui, c'est ça. Vous avez remarqué à la fin des... Ouais, ok, je parle avec toi, ok. C'est avec toi que je dois parler, mon bébé? Oui? T'es une bonne fifi? C'est bon, hein. Alors, pour Daniel, oui, c'est du beurre. Oui, oui. Non. Ah, c'est pas bon, le beurre, j'ai pas... Ben, elle, ça fait 8 ans qu'elle adore le beurre. Je sais qu'ils n'ont pas d'enzyme pour digérer le lactose ou quoi que ce soit. Mais elle me fait des beaux petits caca, elle est en pleine santé. Et elle, le beurre, elle adore ça, comme s'en mettre. Et non, il n'y en a pas tant que ça, arrête. J'en mets à peine pour que ce soit doré. Ok, Daniel? Non, ok, je reviens avec toi, ok. Mmh. Ah oui, c'est bon ça. Hein, Jackson? Tu leur fais une petite danse? Allez, une petite danse? On danse, Jackson? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Tiens, attends. Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. Allez, je vous souhaite beaucoup de bonheur encore une fois aujourd'hui. Bon week-end. On se retrouve lundi. Bye bye.